Et oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Ubisoft, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés, car nous sommes partis pour l'épisode 2 de Super Nana. Et oui, on a déjà fait 10 briques dorées, les 6 constructions sont faites et la brique rouge est déjà récupérée. Donc on va essayer de faire que 10 briques dorées à peu près. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je suis à peu près ici et il me faut une brique dorée dans le coin là. Est-ce que c'est pas à l'intérieur? Ah oui, je pense que c'est pour l'intérieur. Alors, bon, on va pousser là-bas au bois pour voir. Oh, nous avons déjà besoin de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Donc comme vous l'entendez, j'ai un peu la voix enrouée. Mais voilà, bah, les chauds et froids, ça fait beaucoup, hein. Donc là, c'est Ravel, voilà, Ravel qu'on avait besoin. Ah, il va me falloir... Bah ouais, je le prends, hein. Appelez-moi Emmett Brown. Où suis-je tombé? Docteur Emmett Brown. Donc la vidéo va passer en vitesse rapide, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et voilà, nous avons atteint la dernière phase. Elle est bien fait le singe. C'est la tête d'un singe, franchement, c'est très bien fait. Ah, j'ai peur. Ok, alors ça c'est juste pour avoir obtenu. D'accord. Ok, bon, on va aller tout droit là. Pas de problème, hein. Moi je suis partant. Bien sûr, vous avez vu que le briseur de règles est bientôt fini, hein. Non, je peux pas aller tout droit. Faut que je vais là. Voilà. Ah c'est ça, c'est mon côté, ouais. J'ai eu peur. Alors ça c'est pourquoi? Bah tout droit maintenant. On va aller tout droit. Si j'y arrive, parce que là, Ghost, il y a un peu dans les choux, hein. Hop là. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Tu as vu le dernier épisode de Dépanneuse de l'espace? Alors, ça nous donne... Ah, ça va, nickel. J'ai trouvé presque tout de suite, donc moi ça me va. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donnez-moi. Oh, on va aller faire du rodéo. Et là, il faut se mettre ici. Alors, il est là. Ok. J'adore les musiques de fond quand même de Super Nana quand même. Franchement, ils ont bien joué dessus. Et là. Non. Non mais qu'est-ce qui est arrivé à leur tour? Non. Ah d'accord, ok. Oh, nous avons encore besoin de Ravel. Faisons du rodéo. Magnifique quand même. Bon après je regarde un peu mon écran, hein, pour regarder les bons boutons. Sinon ça, c'est pas évident. X, bon ça va. Ah, oui c'était tout juste. C'était vraiment très juste. Oh. Eh ben voilà, nous avons atteint notre première brique dorée, mes amis. Allons faire une petite mission, qu'est-ce que vous en pensez? Que je vous en prie, Townsville est tendance. La grande réouverture du musée du cornichon de Townsville va être un désastre. Je croyais avoir tout bien planifié et Mademoiselle Bellum aurait été fière de moi, mais... J'ai complètement oublié les cornichons. Je suis même allé à l'épicerie un peu plus tôt parce que ma femme avait besoin de crème pour sa moustache et je suis passé juste à côté des cornichons. Mais elle m'a assuré qu'elle en avait déjà, sauf qu'elle parlait des cornichons de la maison. Et il nous faut des cornichons de musée.
Cette histoire de cornichon est horrible. Si on ne trouve pas de solution, ce sera moi le cornichon. Et il faut que tu m'aides et que tu me rapportes des cornichons, s'il te plaît. Il devrait pas avoir de mal à trouver des cornichons à Townsville. Après tout, le règlement de la ville stipule que les cornichons sont la deuxième monnaie officielle avec le dollar canadien. Ok, donc c'est dans les... des locaux. Mais belle histoire de cornichons quand même, hein. Ah, j'en ai un là devant moi. Oh. Ah ouais, effectivement. Donc pendant les phases de passage de recherche, ce sera encore en vitesse accélérée. Bien sûr, hein, vous doutez bien que... Ah, je l'ai trouvé. Allez, encore un petit cri de bulle, hein. Ah oui, mais si je les prends pas, ça va pas le faire. On y va. Comment je suis arrivé ici, moi? Et voilà, le quatrième. Magnifique quand même. Est-ce que vous en pensez, ça va quand même assez vite. J'étais trop loin, voilà. Oh bah, allez, on est déjà au cinquième, c'est magnifique quand même. Moi, je dis que ça va super vite. Alors, ce serait bien là. Et il est là, à côté. L'autre là. Voilà. On y va pour la suite. T'es où, toi? Ah, il est là. Je l'ai trouvé. Et bah voilà. Le briseur de rêve, c'est fini. Et on va chercher le restant. Hein. Ça va nous faire déjà 3 briques dorées. En même pas... 10 minutes. Donc là, je vais trop loin. Y'a rien. Ah, oh, passage à côté. Ah bah. Eh ben voilà, ça nous fait le 8ème. Bon après voilà, là, vous avez vu que... C'est pas exactement la méthode la plus sûre pour gérer ce genre de situation, mais certains appellent ça de la démolition contrôlée. Allez, on va passer au 10ème et on va aller rendre la mission. Pour pouvoir penser. Moi, j'ai fait une bonne idée. Allez, on va aller rendre la mission. Pour être franche, ça me gêne un peu. L'histoire des cornichons, quand même, hein. À mon avis, il va nous en falloir plus que ça pour une inauguration digne de ce nom, et j'ai prévu les choses en grand. Voilà, moi je le remets en place. Fantastique! Je peux enfin ouvrir le musée au grand public! Et cette fois, les murs résisteront aux attaques de licornes! Licornes! On a été d'une aide précieuse aujourd'hui. Tu voudrais être mon nouvel assistant? Non? Pourquoi tout le monde me répond ça? J'ai beaucoup gagné en maturité depuis le départ de Mademoiselle Bellum. La preuve, les employés ont même réactivé le téléphone de mon bureau. Allez, ouvrons le musée! Allez, vas-y, ouvre-moi le musée, mais moi j'ai vu quelque chose tout à l'heure, et je serais intéressé pour le faire. Mesdames et messieurs, bienvenue au paradis du cornichon. Oh, c'est magnifique quand même. Et il nous donne quoi? Une brique dorée ici? Non, je pense pas que ce soit ici. On va aller voir un peu plus loin. Si Town, ça veut dire ville, alors ça veut dire que Townsville, c'est la ville de ville. Ah oui, c'est pour ça, mais ça, à mon avis, ça va faire beaucoup de recherches. Hé oh! Princesse en danger, par ici! C'est bien ça que je dois dire pour attirer l'attention. Allez, on y va, on va aller voir les princesses. Ma période préférée de l'année, les entretiens d'évaluation. Ma cour est en vacances pour l'instant, et je dois dire que leur travail est loin d'être exceptionnel. En tout cas, je peux arriver à le leur faire croire en engageant dès à présent leur remplaçant. Je cherche deux personnes très spécifiques. Déjà, il faut qu'elles soient en vie. Mais elles doivent aussi ressembler à ceux qu'elles vont remplacer pour que je m'y retrouve. Je veux faire ça bien. Bah allez, on y va. Super musclé qui peut rapporter plein de trucs super lourds. Un guide. Oh, pop. Comment je
je suis censée m'en mettre plein les poches si on m'interrompt toutes les 10. Bon, après, voilà, pris une fois, pas deux, hein. Bon, ça serait bien pour... Si la mignonitude ne sert à rien, et où, Chess ? Autant que je rentre chez moi. Allez, Chess, c'est pour toi. Je vais les croire, tu vois. Allez, boum ! Ah non, désolé. J'aurais pu faire peut-être avec Chess, hein. Non, j'ai pas vu la porte. T'as du travail pour moi ? Super ! Je savais que ça finirait par payer un mètre à droite. Ah ouais, 1m90 ? Ah bah, j'en fais que 1m60 ! C'est toi ? Et voilà, un type à 7 ou 8. Je suis trop cool pour laisser cool. Pour mettre la joie que j'ai pu d'avoir. Avec les... Ce qu'on va chercher, c'est pas évident, hein. T'es où ? Ah, à mon avis, ce serait bien lui. Ils m'ont dit que si je peux avoir la classe, moi, ce sera comme dans les... Ah, et le dernier, je l'ai trouvé, donc on va aller direct. C'est ça ? Ah bah, c'est le lion. À mon avis, c'est pas toi qu'il me faut. Eh ben, alors, maintenant on y va, on va aller rendre cette mission ultime. J'adore cette musique. Nous sommes à l'aube d'une catastrophe écologique. Parfait. Ces gens vont beaucoup m'aider à renégocier les contrats. Mais d'abord, il va falloir qu'on leur mette des lunettes de soleil et qu'on masque leur odeur de... de pauvreté. Allez, ça, Po. Le marché va faire son effet, j'en suis certaine. Tiens, prends ça en récompense. T'en fais pas. J'en ai déjà genre 480 comme celle-là, juste dans ma chambre. D'après la rumeur, mademoiselle... Eh ben, nous sommes quand même à notre 14e brique dorée, hein. Alors, il agit une petite mission. Alors, la mission, c'est quoi ? Voilà. Je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer. J'ai besoin de ton aide pour empêcher une grave catastrophe environnementale. Par ici, allez. Le matériel est à l'intérieur. Il faut que tu m'aides à déplacer les composants chimiques nécessaires à la préparation. Bah allez, on y va. Bah oui. À l'intérieur. Bon, allez. Oula. Après mes calculs, voici la formule à suivre. Tu pourrais penser qu'il s'agit d'une équation un peu plus simple, mais il m'a fallu des jours de travail acharné pour y arriver. À partir d'aujourd'hui... Eh ouais, ben vous avez entendu, hein. Je suis votre maître. Voldemort, c'est pour toi. Non, attendez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je garde l'agent chimique X en sécurité maintenant. Les cyniques diront que c'est pour ne pas doubler mon budget course, mais en fait, extrêmement attention avec cette cuve. Je n'ose imaginer ce qui se passerait si... Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Aïe ! Eh, il fait mal, sérieux ! Il m'a frappé ! Voilà, je vais enlever les tâches, hein. Voilà, ça s'est fait aussi. Et voilà un composant ajouté au mélange. Le X, c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Oh, mais bon. Ce matériel m'a coûté une fortune. Et ces étages de mer, il commence à faire vraiment froid ici. Ce n'est pas dans ma tête, hein. Mais, ah voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Ah puis, en plus, je suis pas très chimie, alors... On va rigoler 5 minutes. Parce que là, il m'a envoyé en haut, mais il faut m'envoyer en bas. Et pour m'envoyer en haut, comment on fait ? Oh ! Enfin, après une réflexion, je crois que le rouge n'est pas franchement une bonne idée. Non, pas ça, Voldemort. Allez, vas-y. Mets-moi la petite porte que j'ai vue pour aller là. Fais attention avec l'agent chimique Y. Il est très instable. Une secousse de trop et tu en mettras partout.
Ouais, mais je n'ai toujours pas trouvé ma porte pour aller là. Aucun composant à ajouter. Bon, on va aller voir un peu. Est-ce que c'est pas... Ah, mais... Pas besoin de chercher. Alors, allez, bonne voir. Attendez, hop, je vais me mettre là, voilà. Quand on est plus loin, ça marche. Bon, bah. J'ai activé quelque chose. Eh ben, c'est bon, ça. On a fait ce qu'il nous a demandé. Les agents chimiques X, Y et Z. Voici les ingrédients sélectionnés par le professeur Plutonium pour éviter un désastre écologique. Et malgré les méthodes de dosage quelque peu douteuses de ces ingrédients, rien n'a explosé. Bon travail, tout le monde. Ajoute ça là-dedans. Ça devrait faire l'affaire. Ouais, mais moi, ma bricolerie, je l'ai toujours pas. Moi, je veux ma... Il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Ce n'est pas une science exacte, après tout. Surtout qu'on vient de verser des quantités totalement aléatoires d'agents chimiques dans l'espoir que ça suffise. Apparemment, le pire est derrière nous. C'est déjà ça. Je crois bien qu'on a réussi. Ça, pour une surprise. Je savais bien que ce vendeur de climatisation était un escroc. C'est la dernière fois que j'achète un système de rafraîchissement d'air ambiant hors de prix à un homme sur le pas de ma porte. Je te le garantis. Eh ben voilà. Ça fait quand même notre 15e bricolage, les amis. Eh ben, moi j'essaye de retrouver la maison où on était tout à l'heure et que il y avait du verre partout. Tiens, et le brigo est là. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, nous avons besoin de barracuda, regardez. Mon Dieu, alors on va le prendre tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais presque oublié quelque chose. C'est quelque chose qui devrait vous intéresser. Hop. Bah. Tom, 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 tom. J'adore. J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Ok, mal séparé chemin. Bon, on a barracuda, autant le garder, hein. Et nous avons besoin d'une voiture. Alors, est-ce que ça, ça va marcher? Ouais, ça marche. On a pris la batterie. Non, c'est... Oh, encore besoin d'un magicien. Je vais l'enlever en plus. Ah bah non, je sais qui est-ce que je vais prendre. Je vais prendre Ravel, directement. Elle, ça marche. Ah, voiture, encore. Hop là. Où que tu t'en vas. Je sais pas où qu'elle s'en va. Voilà, attendez. Hop. Et ça, ça nous fait avancer. Quoi? Je sais pas, mais on y va. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, nous avons besoin encore de... Bon, qu'est-ce qu'il a cassé? Je l'avais pas vu. Allez, mais on va faire un petit B pour mettre ça en place, je crois. Allez, baraque. Ah, ben maintenant, ça va marcher beaucoup mieux avec la voiture. Ah non, il faut remettre. Ça, c'est pas évident. Et là, ça devrait marcher maintenant. C'est beaucoup mieux. Vu que j'ai fait le laser avant sur un... Et ben voilà, notre brique dorée qui a atterri. La personne de plus qualifiée que Barracuda pour garder ça. Là c'est sien. Si c'est de l'or. Ah bah oui. De l'or, ça va toujours. Non, ça je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai au prochain épisode, mes amis. C'est une quinzaine de... d'éléments à faire. Et... C'est pas évident. Oh, bien, un puzzle. J'adore. Eh ben là-bas, on a une mission, on va aller la faire. Compris. Les hommes ne font pas
de compromis. Le gouvernement de ce magnifique état, dont j'ai oublié le nom, a signé un décret indiquant que je devais trouver une autre source d'eau pour mes arroseurs. Habituellement, je n'ai que faire des requêtes de ces graves papiers, mais là, ils ont utilisé la police d'écriture la plus virile qui soit, Stencil. J'imagine que tu es la vermine qu'ils ont envoyée pour faire respecter leur maudit décret. Très bien, finissons-en rapidement. Allez, on y va, vas-y, je te suis. Et vite, j'ai pas de chaîne à mettre et... des vidéos sur internet. Des pouces rouges. Ah non, non, ça c'est vache, parce que vu le travail que ça fournit, c'est le minimum de mettre un pouce bleu et un commentaire. Je trouve un endroit où me débarrasser de cette boîte de serpents. J'avais pensé à les intégrer dans ma barbe pour la rendre encore plus virile. Mais on m'a dit que c'était pas assez original. Ok. Alors... Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est de ça? Alors là... Ça marche? Ça marche avec elle? Vous êtes sérieux? Monsieur le serpent, est-ce que je peux... Oh! Oh! Alors, c'est une petite entrepôt. Aucun homme n'est un vrai homme tant qu'il n'a pas amassé tellement d'objets qu'il n'a plus assez de place chez lui pour tout stocker. Ah bah, il nous faut quelqu'un qui met de l'eau. T'es où mon Aquaman adoré? Voilà. Ah, la barbe de Poséidon. Et ça va se remplir. Mais par contre, les trois personnages, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à afficher. Bonne idée. Il n'y a rien de plus viril que d'arroser sa pelouse à la sueur de son front. Enfin, ouais. Pas au sens propre, bien sûr, qu'au salé. Et maintenant, on fait quoi? Un sale. Ton plan n'a pas fonctionné, probablement parce que mon système a été conçu pour être aussi inefficace que possible. Si je ne peux pas avoir quelque chose, alors personne d'autre ne l'aura non plus, et c'est bien normal. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu as l'intention d'essayer de m'arrêter, c'est ça? Non, je veux ma brique dorée. Quoi si j'étais toi? Ma brique dorée, mec. Ah, il faut que je te flingue, là, bah, je te flingue, tu m'as là. Ah, bref. En avant. Ah, bah, moi, ça va être clair, si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Alors, ils sont où? Ils sont où? Ah, t'es là. Je suis le parangon de la virilité. Alors, voilà, ça s'est fait. Allez, vas-y. Oh, ce n'est pas possible. Je suis sûr que tu as triché d'une façon fourbe et pas du tout virile. Je refuse d'accepter la défaite et tu ne peux pas m'y forcer. Ouais, mais bon, moi j'ai ma brique dorée. Et il voulait pas me le donner. Ah, par contre, là il y a quelque chose qui m'intrigue. On va aller voir. Ouais, et en plus, je crois que c'est une brique dorée. Bah, on va y aller. Il est beau le panda. Il est beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Jouez, Léonard! Réparez-les! Elle est bien... bien boostée, la musique, hein. Franchement, j'adore. Voilà. Le feu et les arcs-en-ciel. Franchement, c'est... Oh, le monde est amusé. Allez, ballons pour tout le monde.
Bah moi je vais vous le présenter en attendant, qu'est-ce que je dois chercher à comprendre, hein. Ah bah hey, regardez. Nous avons atteint le dernier personnage qu'on doit découvrir sur ce Lego Dimension. J'ai reçu ce pack-là il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et on va mettre son petit personnage. Hein, son véhicule. Au moins ce sera fait aussi. Et j'aurais plus de personnages à vous présenter malheureusement, mais ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que c'est de ça, elle? Bon, elle fait la force, c'est déjà pas mal. Non. J'ai arrêté. Voilà. Ça, on va l'enlever en attendant, on verra après par la suite. Je cherche ce que je cherche à faire, là. On va jouer un petit peu plus avec elle pour voir. Elle a l'air méchante quand même. Oh, franchement, tu viens de casser l'ambiance, quoi. Ah cool, elle fait la bulle gyrosphère. Ah ça c'est magnifique. Et c'est moi qui tire, sérieux? On dirait que quelqu'un n'est pas heureux. Alors... Ah non, je vais rester. Bon voilà, on va attendre. Hein. Je trouve pas les boutons A, non. Mais si je m'appuie à chaque fois sur B, ça va pas le faire. Voilà. Ouais. Et le dernier. Bah après, difficile quand même le canon. Franchement, là c'est... Là, franchement, le niveau du canon, on peut rien faire. Ah non, je dois d'abord tuer les bonhommes. Ok. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et les 4 autres, ils sont où? Est-ce que je peux les tuer de là? Non, ça marche pas. Ça c'est fait. Je veux un câlin. Le câlin rend la vie bien plus belle. Ah non, on peut pas frapper. Qu'est-ce qu'on doit faire, sérieux? Gros câlin. Voilà, hop, ça c'est fait. Et ça c'est fait aussi. Oh, un petit cœur! Le petit cœur qui fait super plaisir, franchement! J'ai trop hâte de raconter ça dans mon journal! Eh bah, ça fait la diffusion! Eh bah! On va aller voir pour faire une course, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Une petite course, tranquille. Si je peux. Allez, où ma course? Allez! À la hauteur. Ah. Alors là, on va pousser tout. On va prendre un petit véhicule. Hein. Bon, ça devrait aller assez vite quand même. Cette course en 2 minutes. Bon. Ouais, si je vous prends mes portes, ce serait bien. Parce que là, ben, j'ai perdu du temps. Bon, ils ont l'air assez immobiles, les voitures. Ça va. Bon. À mon avis, je vais recommencer cette course. Mais pas sûr. Ah, bah, il y a là le truc que je cherchais. Franchement, alors elle est où ma... On va aller chercher, je suis pas très loin, on va aller voir ce que c'est. Non, c'était pas là. Bah voilà, j'ai encore perdu.
Là, je suis passé par ici. Mais j'ai pas une mission aussi. Bête, quand on a besoin de lui, il saurait quoi faire, lui. Par contre, j'ai une porte ici. On va voir un peu ce que c'est. Et la course à côté. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Il est là pour me faire sortir d'ici. Ferai-toi un chemin et je te suivrai. Il faut d'abord que j'aie une petite discussion avec mon soi-disant partenaire. Ah, il me faut Raven. On va prendre Raven, hein. Et il va me falloir un Lego Shima. Eh ben, on va prendre Lego Shima pour voir ce que c'est. C'est quoi le problème? Fangar est là? Ah bah, je prends déjà la recharge, après on verra. On sait faire attention à moi, hein? Le système de partenaire, ça t'échappe complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas utilisé ton toki? Il a fondu. J'ai fait tomber dans la lave sans faire exprès. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Ah ben, je suis déjà plein, alors c'est bon. Regardez comment j'ai bien réagi quand même. J'ai vu le truc à recharge, je l'ai pris. Et j'en mets à mon avis, ça va être pour une petite brique dorée, là, tranquille, parce que je suis bien devant. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire? Alors, c'est pour la mission. Ça a changé d'état. On va pouvoir avoir de plus grosses subventions de recherche. Récompense donc ce noble monstre. Nos carrières sont sauves. Ils ne sont pas venus à ton secours dans le volcan? Allez, vas-y, je tombe. Bah, je pensais que c'était pour avoir une brique dorée, mais... Ah bah si, l'air de rien, ça a quand même fait pour la brique dorée. Bah mes amis, nous sommes déjà à la fin de ce gameplay, nous avons déjà fait nos 10 briques dorées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, le faites-le, répondez, faites-moi des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai assez rapidement. Mais pour là, moi je vous dis à ciao et au prochain gameplay, et je vous dis à ciao prochaine fois, bye bye.